Après avoir couru, j'étais là. Maman, maman, ils m'ont suivi. Maman, maman, ils m'ont suivi. Maman. En Belgique, il fait pas chaud, il fait étouffant. Gucci, Gucci, Gucci. Hello everybody, welcome to Gucci's World. Alors les gens, aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi j'ai arrêté de faire du sport à l'extérieur et que je me suis inscrite à la salle depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et comme je vous avais dit, après mon régime, j'aimais beaucoup aller courir, etc. Au moins une heure ou parfois 30 minutes. Et derrière moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait un groupe d'hommes qui me suivaient tout le temps. Et en fait, le problème était que quand je partais au parc pour courir, il y avait une personne qui habitait tout près du parc. Elle avait retenu l'heure à laquelle je partais pour courir au parc. Et genre vers 7h, 8h du matin, quand il me voyait passer, bah du coup il me suivait. Et moi j'arrive au parc tranquille, je commence ma petite course et tout. Et dans le parc, il y a un endroit avec des machines de sport comme à ça. À un moment, je m'arrête là. Je commence à faire des trucs. Puis je vois quelqu'un qui arrive tout doucement derrière moi. Je me fais, mon Dieu, cette personne elle me veut quoi? Et je vois la personne, elle vient chez moi, elle me fait, ouais, je te vois courir tout le temps dans ce parc et tout. Tu dois avoir un sacré beau corps. Moi, j'avais 13 ans déjà, j'avais 13 ans, le gars il devait avoir au moins 30 ans. Il commence à venir chez moi et me parler tout, mademoiselle et tout, t'as quel âge? Moi je commence à avoir peur, tu vois, mes jambes tremblaient. J'étais toute seule et comme par hasard, ce jour-là il n'y avait personne au parc. Le ciel était gris, il allait pleuvoir. Je commence à me dire... Je dis quoi, mon vrai prénom, pas mon vrai prénom, j'ai peur, imagine il fait des recherches sur moi et tout. Je commence à mentir, je m'appelle Marie. Et il me dit, oh Marie, joli prénom et tout. Puis je commence à reculer petit à petit, je me dis, je dois partir. Il commence à pleuvoir, je cours vite et je rentre chez moi. Il pleuvait, je connais la Belgique, il fait moche, 30 minutes après, le ciel tout plein, chaleur, 30 degrés, bref. Après je me dis, ouais, tranquille, je vais rentrer. Peut-être en entendant, il est parti. Non. Mais non, fallait pas que je rentre. Je reviens et tout, je recommence ma course, mon tour de parc et tout, etc. Et j'arrive à la moitié de ma course. Je cours au milieu du parc. Et là, qu'est-ce que je vois? Trois personnes. C'était plus un seul. Trois. Moi, je me suis dit, tranquille, tu vois. Je suis pas Beyoncé, donc c'est pas pour moi ces trois personnes. Puis je remarque, je cours un peu, les gens avancent en même temps que moi. Je cours, ils avancent, je me dis mais c'est une blague. À moi ils sont en train de me suivre. Je m'arrête, ça fait comme un triangle, moi je suis au centre, eux ils sont sur les deux côtés, il y en a un qui est devant. Je me dis, hey, qu'est-ce que je veux faire? Ils m'entourent de chaque côté. Bon, il n'y a plus qu'un seul derrière, et c'est bon, j'étais coincé. Je regarde. J'avais 13 ans les gens, t'as 13 ans, t'as des hommes, de grands hommes, comme ça, des 30 ans qui te suivent. T'es là, tu te demandes en fait, pourquoi en fait, vous me voulez quoi? Et du coup je m'arrête, je commence à calculer si je cours par là, il y a moyen que... Mais comme il y avait des gens, tu vois, ils voulaient faire genre discret et tout, et du coup ils ont pas commencé à avancer comme ça pour directement venir vers moi. Et après je regarde celui d'à côté, celui qui était devant, je regarde, je tape un sprint entre les deux, je cours, je cours, je cours. J'arrive vers Simonis, je m'arrête, puis je vois les gens, ils courent derrière moi. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je cours, j'étais là avec des jambes qui tremblaient, mais je me dis, si je m'arrête, imagine ce qu'ils vont me faire, je sais pas ce qu'ils me veulent. Donc je cours, je cours, je cours, je cours, j'arrive chez moi, j'étais là, maman, maman. Et puis ma mère elle me fait, ouais, mais t'avais qu'à appeler la police. Mais moi quand sur le coup, quand j'ai peur, je pense pas à la police parce que je me dis, ouais imagine je les appelle et tout, ils commencent à dire, commencent à me demander mes coordonnées, ouais tu t'appelles comment, etc. J'ai pas le temps pour ça, moi j'ai peur pour ma vie, toi tu me demandes de donner des coordonnées. Après ma mère ça l'a énervé et tout. Après, elle a commencé à venir m'accompagner au parc et tout, mais elle-même, elle a remarqué que c'est vrai, il y a vraiment des gens qui me suivent. Et même quand ma mère venait m'accompagner, elle a attrapé quelqu'un qui était en train de
qui courait derrière moi, clairement derrière moi, quoi. Et puis ma mère, ça l'avait énervée. Elle a arrêté la personne, elle a commencé à crier. Mais vous n'avez pas honte, ma fille, elle a 13 ans, vous êtes un homme comme ça, un vieux comme vous, vous n'avez pas honte de suivre une fille comme ça. Et le gars, il était là, mais non, moi je ne la suis pas, moi je n'ai rien fait, blablabla, blablabla. Puis ma mère, elle a commencé à crier et tout, elle a dit, la prochaine fois, je vais appeler la police, je vais leur dire que c'est vous, etc. Et puis après, le gars, il a pris peur, il s'est barré. Et à partir de là, ma mère a commencé à me dire, écoute, arrête le parc, clairement, arrête. Choisis, je sais pas moi, fais du sport à la maison, va t'inscrire à une salle de sport, fais quelque chose. Mais arrête le parc parce qu'en plus, ma mère n'a pas que ça à faire, quoi, venir tous les jours ou tous les week-ends à 7-8 heures du matin pour m'accompagner, pour courir, elle n'a pas que ça à faire. C'est comme ça que mon aventure à la salle de sport a commencé. Sinon, à défaut, je serais toujours là dans le parc. Sur ce, les gens, j'espère que ma petite story time t'aura plu. N'oublie pas de liker ma vidéo. Mais c'est toi que je vois qui regarde mes vidéos et tu t'abonnes pas. Mais t'attends quoi, wesh? Abonne-toi. Abonne-toi à Coochie's World pour ne rien rater. Parce que je pense que vous allez bien vous marrer, vous allez aimer mes vidéos. Et sinon, Coochie vous aime, les gens. Bye!